Elle a un fils, son petit bout d'âme, son moment de calme, l'étoile qui la guide dans la nuit noire. Elle rejoint aux aurores, après l'horreur, elle se conforte dans son odeur, son cœur et son corps. Il ne sait pas encore, pour son bout de trottoir, il lui donne l'amour qu'on ne lui donne pas le soir. Elle le regarde dormir, d'un coup elle désespère. Comment lui expliquer où est passé son père? Un jour elle partira, elle amènera au loin. Elle fermera une valise, elle a hâte, un beau matin. Elle s'échappera des griffes du périph' de Paris. Elle aura une maison, un chien, un château, un mari. Elle s'est promis que tout ça ne durerait pas. Une mauvaise passe qui s'en ira, oui. Elle croit au miracle, elle en vient presque à oublier qu'elle doit retourner cette nuit entre le café et la pharmacie. Sa mère pense qu'elle est engagée comme danseuse dans un cabaret. Mais sa scène fait 2 mètres carrés. C'était la plus belle quand elle était au pays. Elle lui donne des nouvelles, des mensonges bien écrits. Elle fait bonne figure, mais au moment de raccrocher, ça la brûle de lui dire de venir la chercher. Mais elle sait qu'ils sont là, les loups qui la surveillent. Elle voudrait pas qu'ils s'en prennent à sa seule merveille. Nous, on sortait de boîte dans une voiture, on roulait vite. De la fumée, de la musique, rien qu'entre amis, on voulait rire. On n'avait pas envie de rentrer, et certains avaient trop bu. On savait pas trop où aller, quand soudain on l'a vu. D'un coup, on a ralenti, lorsqu'on est passé au niveau de la pharmacie, juste à côté du café. Mon Dieu, ce qu'on peut être con quand on est entre potes. On a baissé la vitre, on a crié.